Les oiseaux du ciel. Thank you.
Dieu. Que ton nom soit réellement exalté. Amen. Seigneur, nous élevons nos voix en signe de reconnaissance, mon Père, pour ce que tu n'as point cessé de faire pour nous. Seigneur, tu nous as visités ce dimanche, tu nous as fait des grandes choses, mon Père. Tu as confirmé, Seigneur, la parole de tes envoyés, parce que tu es le Dieu fidèle à ta parole. Tu baisses ta parole pour l'accomplir et l'exécuter. Seigneur, aujourd'hui, nous venons, ô Père, en signe de reconnaissance, de ce que toi tu as fait pour nous. Tu nous as délivrés, tu nous as libérés, tu nous as franchis, tu nous as guéris, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Satan s'agite, Satan s'acharne sur nous, Éternel, parce qu'il sait ce que nous avons, mon Sauveur. Pardonne-nous la grâce, mon Dieu, de pouvoir réellement fixer le regard vers toi, de nous approcher à toi, Seigneur, parce que tu es réellement notre délivrance, notre Dieu. Béni soit ton nom, notre Père, parce que ce soir encore tu es là, notre Dieu, pour nous faire du bien, Seigneur. Nous avons tout abandonné, mon Père, nous avons quitté nos maisons, Seigneur, abandonné nos travails, mon Père, pour venir en ce lieu afin de t'écouter, nous parler. Seigneur, tu es celui qui ne manque jamais au monde aussi, Seigneur, qui ne fait jamais défaut à ta parole. Seigneur, ce soir, nous voulons, Seigneur, entendre ton ta voix. Viens nous parler, mon Père, viens nous consoler, Seigneur, viens nous fortifier, ô Dieu. Viens réellement étendre ton bras puissant éternel et toucher et délivrer celui qui en a réellement besoin. Tu connais les désirs de mon frère, tu connais les besoins de ma soeur, Seigneur. Nous savons, Seigneur, notre Dieu, que tu es le Dieu puissant éternel, le Dieu qui relève et qui Seigneur. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Viens réellement nous fortifier, mon Père. Viens réellement, ô Dieu, nous élever dans les hauteurs, Seigneur, afin, ô Dieu puissant, de pénétrer réellement, Seigneur, dans ta présence, notre Dieu. Et l'homme que toi tu as mis en ta présence, mon Père. Merci parce que tu nous as accueillis. Seigneur, ton sang nous a lavé, ton sang nous a purifié, ton sang nous donne, oh Dieu, la possibilité, le libre accès dans ta présence, mon Sauveur. Accorde-nous ta grâce, notre Dieu. Maintenant, Père, que nous venons t'écouter nous parler. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs. Viens parler à nos âmes, Seigneur. Viens encore nous toucher, Seigneur. Viens encore nous réveiller, nous secouer, parce que nous en avons réellement besoin. Les temps sont fortement avancés, Seigneur. Les jours sont mauvais, Seigneur. Mais nous savons, éternel, oh Dieu, que la lumière est appuyer, Seigneur, visser les ténèbres où nous étions, Seigneur. Toi, tu as fait briller ta lumière, mon Père, afin que nous puissions briller dans les ténèbres, mon Sauveur. Tu as dit que ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion, mon Sauveur. Merci parce que nous avons éclairé. Ainsi, nous voulons marcher à la clarté de ta lumière, mon Père. Bénis ton serviteur, mon Dieu, dans la bouche duquel tu vas encore nous parler. Seigneur, je remets tout cela dans tes mains, mon Père. Viens, Seigneur, accomplis ta volonté pour nous ce soir. Bénis mon frère, bénis ma soeur, ceux qui sont en connexion, que les mêmes bénisseurs leur soient accordés, Seigneur. Merci pour les grands guerriers. Merci pour la louange, mon Sauveur. Merci pour l'adoration, mon Dieu. Tu es présent parmi nous, Seigneur. Nous ne regardons pas aux hommes, mon Sauveur. Nous nous regardons à toi, Seigneur. C'est toi qui régis nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui fais tomber les écailles de nos yeux. C'est toi qui brise les chaînes, mon Sauveur. C'est toi qui libère les captifs, mon Dieu. C'est toi qui libère les prisonniers, mon Sauveur. Oh, louange, mon Sauveur, à toi. Seigneur, de qui s'esprit est vrai, toi, sois chassé de ce lieu, au Père. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bénis, Seigneur, chassé de nous. Bénis ton frère, bénis ton serviteur, ton pasteur. À toi la gloire. À toi la puissance, à ta majesté. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Déverse tes riches bénissons, mon Père. Que ton Saint-Esprit se meure encore ce soir parmi nous, mon Sauveur. Touche encore même le cœur le plus insensible, même le cœur le plus insensible, mon Dieu. Tu en es capable, mon Seigneur. À toi la grâce, mon Dieu. Nous approchons de toi avec des cœurs sincères, avec des cœurs reconnaissants. Que toi, notre Dieu, tu es là. Tu es là pour nous bénir, Seigneur, et pour nous faire du bien. Nous considérons les hommes du ciel, Seigneur, qui ne servent que moi seul, mon Sauveur. Tu en prends soin, Seigneur, à ton peuple plus fort de raison, notre Dieu. Toi, notre Père, notre Père, n'abuse pas soin de nous, Seigneur. Nous avons confiance en toi, éternel. Accorde-nous ton secours, mon Dieu. Tu es réellement notre secours. Tu ne manques jamais de la détresse. Sois loué, notre Dieu. Sois exalté à jamais. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, mon Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous avons mis le psaume au chapitre 62. Psaume chapitre 62. Psaume chapitre 62. Nous lisons la parole du Seigneur. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Amen. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Amen. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Amen. Jusque à quand jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre?
comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Amen. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Amen. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Amen. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Amen. Répandez vos cœurs en sa présence. Amen. Dieu est notre refuge. Amen. Oui, vanité des fils de l'homme, mensonge des fils de l'homme. Amen. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Et ne vous confiez pas dans la violence. Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Amen. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Amen. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. 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 Oh oui, encore, encore, une fois, Seigneur. Nous avons vraiment soif de ce Dieu vivant, parce que Dieu vivant, c'est que nous avons vraiment soif encore ce soir. Non seulement ce soir, mais tout le jour de notre vie, Seigneur. Nous voulons vraiment te voir encore dans la l'œuvre, bénévole Saint-Saint. Continuez encore de pouvoir agir, Père, afin que nous soyons affermis encore dans la foi, mon bénévole Saint-Saint. Et considérons certainement le lien fait que tu nous aides à faire parmi nous, mon bénévole Seigneur. Nous te remercions vraiment du feu de notre cœur, roi, parce que tu as eu vraiment compassion de chacun de nos pères. Merci réellement pour ta félicitation. Merci réellement aussi pour ton amour, bénévole Saint-Saint. Merci encore pour ta puissance, mon bénévole Seigneur. Merci vraiment pour tout ce que tu as fait, de ce que tu fais encore aussi, mon bénévole Saint-Saint. Car notre âme a vraiment trouvé un lieu de refuge, mon bénévole Père. Tu es vraiment précieux pour chacun de nos pères saints. Oh Dieu, pour cela, c'est ce qui te fait connaître, mon bénévole Père Tibissant, qui ont trouvé grâce devant ta face, mon bénévole Seigneur. Louange et honneur à toi encore ce soir, Père. Oh combien nous sommes heureux, Père Tibissant, de nous retrouver encore ce soir encore dans ces lieux, Père. Oh Dieu, nous comptons les jours qui nous restent, mon bénévole Père Saint. Oh nous réalisons combien c'est une grâce pour nos pères saints d'avoir le plus qu'un temps de pouvoir réellement te chanter, te louer, te glorifier, bénévole Père Saint. Et aussi la grâce aussi à toi de recevoir ta parole à toi, Père. Béni soit ton Seigneur, glorieux, mon bénévole Père, oh Dieu. Et la grâce nous avons trouvé devant ta face dans cette terre, mon bénévole Père, oh Dieu, d'être là pour toi, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Merci encore pour cette grâce, mon bénévole Père, oh Dieu, pour le chant des cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce, mon Père. Et aussi la grâce pour tes chantiers encore ce soir avec nos cœurs, Père. Nos âmes aussi les faire devant toi, bénévole Père, oh Dieu. Loué soit ton Seigneur encore pour les chants des éternels, Père. Oui, c'est en toi, nous plaisons de confier ton joie, bénévole Père, tout tu es réellement précieux pour nous. Béni chacun de nous encore ce soir. Nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion dans différents pays, venez faire différents endroits encore ce soir, mon sauveur. Ils sont aussi bénis et gardés, protégés par toi. Car nous sommes heureux dans ta maison, bénis mes personnes. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que son Seigneur nous soit béni. Amen. Qu'il soit glorifié. Vous pouvez nous asseoir pour son amour et ses grandes compassions à son nom. C'est vrai, comme les heureux croyants qui étaient là au temps de. Les buts comme des stars, vous pouvez dire effectivement que sache au roi, je crois que c'était notre roi, effectivement, que sache au roi que notre Dieu est capable. Amen. Donc nous avons ce Dieu qui est capable, amen, qui fait réellement une chose au-delà de l'attente de l'homme, amen, parce qu'il est vraiment vivant. Amen. Nous sommes heureux parce que nous avons la grâce de pouvoir.
pouvoir savoir que nous lui appartenons. Amen. Et que nous réalisons aussi dans notre marche que nous sommes vraiment le troupeau de son pâturage, que sa main puissante conduit. Amen. Oh, comme nous l'avons entendu, si vous pouviez aujourd'hui entendre sa voix. Nous le remercions de ce qu'il nous parle, et que de nos oreilles, nous pouvons aussi entendre aussi sa voix, et que nos cœurs, nous puissions répondre effectivement à sa voix, à l'obéissance, à sa parole. Et nous les supplions aussi de tout notre cœur de nous tenir par sa main afin que nous puissions avancer avec lui tout au long de cette année entière. Non seulement tout au long de cette année, mais si nous accorde encore la grâce de pouvoir voir les choses à venir, que le Seigneur nous aide à être avec nous. Nous le supplions parce qu'il est le Dieu de sa parole. Il nous a fait cette promesse à nous qui sommes des croyants. Amen. Il a dit ceci, que voici, je suis avec vous tous les jours. Et c'est tous les jours jusqu'à la fin de temps. Et c'est tous les jours-là, je voudrais que ce soit tous les jours aussi pour moi. Où j'ai la grâce que ces dieux me tiennent par la main pour pouvoir me conduire. Et que moi, en marchant aussi tous les jours, je ne puisse compter que sur sa grâce et son soutien, et son secours. Comme nous pouvons toujours les lire et les voir dans les Saintes Écritures, c'est parce que la parole de Dieu est la vérité, et lorsqu'elle déclare les choses sont vraies, lorsqu'elle plonge effectivement le regard dans le cœur du croyant, et c'est lui qui a cru et qui n'est pas resté limitrophe. Parce que c'est vrai, on peut arriver à pouvoir dire, je crois en Dieu parce que je suis dans mon problème. Je crois en lui, vraiment, je crois en Dieu, je suis en Dieu. Et puis quand ton problème est solutionné, Dieu est laissé de l'autre côté. Mais celui qui se plonge effectivement dans la foi, dans la parole, et qui croit vraiment en lui, il a vu d'abord sa main puissante agir, et il a réalisé l'importance de pouvoir la voir tous les jours de sa vie, il s'y accroche. C'est pourquoi vous pouvez voir quand le Seigneur, lorsque ce jeune homme riche est venu vers lui, il a dit, bon maître, il dit, mais pourquoi tu m'appelles bon, il n'y a de bon que Dieu seul. Il dit, mais que puis-je faire donc pour avoir la vie éternelle, parce que je vais vraiment vivre éternellement. Ce jeune homme était riche, et puis il le regarde, il dit, mais voilà, hein, c'est que la parole de Dieu dit, oui, mais j'ai fait tout cela. Il dit, mais maintenant, va vendre tout ce que tu as. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et suis-moi. La partie la plus importante, c'était de le suivre. Amen. Donc, va voir ce que tu as, tu peux te rester. Mais maintenant, viens et suis-moi. Mais il a crié à Dieu jusqu'à un certain niveau. Mais il dit maintenant, mais viens maintenant et suis-moi. Et c'est ça ce que Dieu attend. De cet homme, de cette femme, qui ne croit pas en lui simplement parce qu'il attend de Dieu la bénédiction, qu'il attend de Dieu parce qu'évidemment, hein, et quand je me donnerai à lui, tout va tellement très bien pour moi, alors je suis sans problème, effectivement, ainsi. Non, un homme ou une femme qui croit en Dieu de tout son cœur et qui l'aime, effectivement, parce qu'il est son Dieu, et qui réalise aussi que c'est une grâce, non seulement de croire en lui, de l'aimer, mais aussi de souffrir pour lui. Donc le chemin de croyant véritable, effectivement, qui aime Dieu, c'est que cet homme, il aime Dieu pas par intérêt quelconque, en fait. Il aime Dieu parce qu'il aime Dieu. Et puis, il est conscient d'une chose, que là où se trouvent les choses de Dieu, où Dieu se trouve, c'est là où je dois me retrouver. Vous vous rendez compte, frère, il y avait la tente d'assignation qui était là, et là, puis les tabernacles qui étaient dressés, où se trouvaient effectivement les tribus d'Israël. Ils n'étaient pas loin, non, ils campaient là où se trouvait Dieu. Amen. Parce qu'il y avait quelques tribus là, ici, vous voulez, j'en ai parlé ici, les quatre tribus là, si vous voulez, trois par là, trois par ici, trois par ici, ça c'est 12 en fait. Donc ils campaient là, effectivement, vraiment, autour effectivement de cette tente, effectivement. De là, et c'est là que le Seigneur, lui, descendait effectivement dans ce qui donne sa gloire en dedans, et le peuple d'Israël était toujours. Non, et c'était bon. Regardez même quand le Seigneur a pu prendre Pierre et Jacques, Jean, je pense, je crois, ils sont montés avec lui là sur cette montagne. Là. Il arrivait sur la montagne, effectivement, là, ses vêtements, il fut transfiguré.
Et qu'est-ce qu'ils virent effectivement en regardant? Ils virent effectivement un Moïse et Élie qui leur apparurent effectivement. Oh, alors Pierre dit, mais oh, qu'il est beau d'être ici, Seigneur. Nous ne voulons plus descendre là-bas, pardon. Dressons trois tentes ici, que nous restons, que nous demeurons effectivement. Prendre plaisir effectivement aux choses de Dieu. C'est sentir que c'est une joie pour moi de pouvoir réellement prendre part à ce que Dieu fait, aux choses qui concernent Dieu. On ne peut pas supplier à un frère ou une sœur de dire « Fais le bien pour ce frère » ou bien « Loge le frère » ou bien « Donne la nourriture ». Non, ce sont des choses qui doivent... Parce que la Bible dit « Exercez le spirit, soyez hospitaliers. » Donc quand j'entends simplement, je n'ai pas, j'ai pas cherché à négocier, quand j'entends qu'il a dit « Soyez hospitaliers », mais s'il est dit, il s'est dit « Parce que certains ont reçu, ils ont aussi des anges dans leur maison. » Vous souvenez? Donc, c'est-à-dire que quelque part, je ne me sens pas obligé de pouvoir faire le bien à la personne. Je trouve cela quelque chose de bien, de faire du bien. Parce que le bien, c'est le bien. Et quand je sais aussi que je dois aller aussi dans la maison du Seigneur, ah, j'aime David, parce que David, il est dit avec beaucoup d'idées, ah là, là, que Dieu te bénisse, ma belle. Il dit, mais je suis. Parce que, c'est, frère, soeur, ça ne sert à rien, ma soeur, mon frère, de venir ici. Te sentir obligé pour ta présence, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Je préférerais par contre que tu restes chez toi à la maison, que tu n'aies plutôt plus à faire, que tu dis bon, je vais quand même aller parce que je ne vais pas. Bon, non, ne faites jamais, jamais cela. Amen. Parce qu'ici, ce n'est pas l'église catholique, non, ce n'est pas une église de présence. Amen. Ici, vient celui qui aime. Amen. Vient celui qui a la joie, il dit, mais je vais être là, même si. Mais même si. Et oui, c'est cette personne qui dit, mais Seigneur, je vais dans ta maison maintenant parce que c'est là où je veux m'ouvrir. Amen. Si tu me dis maintenant, prie-moi jusqu'à 5 heures du matin, je ne vais pas murmurer. Amen. Je suis quelqu'un qui, maintenant, dit, Seigneur, c'est ton jour. Voici, je suis là pour toi. Est-ce que vous saisissez? Amen. David pouvait dire que je suis dans la joie. Amen. Quand on me dit à moi, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Vous savez, mon fils Jacob, vous le connaissez bien. Mm-hmm. Oui, oui. Lorsqu'il devait avoir 8 ans, et ça, ça l'a marqué toute sa vie entière. Et bien, c'est qu'un jour, il me l'a répété, il dit, mais papa, je ne pourrais pas comprendre, saisir que toi, mon père, tu puisses quand même un enfant de son âge. Il dit, oh, aïe, aïe, j'étais parti en voyage missionnaire, mais je suis revenu, il était encore tout petit, là. Et puis, j'entends sa maman qui me dit, mais nous sommes restés, je demande comment ça va, nous sommes bien restés à la maison. On dit, oui, mais nous avons un petit souci, c'était un mardi comme ça. Je dis à Jacob, Jacob, on va à l'assemblée. Il dit, oh, non, oh, je suis fatigué, viens à l'assemblée. Alors j'ai dit, c'est ça que j'ai eu avec lui, c'était ces jours-là. J'ai dit, ah bon? Et j'ai appelé, j'ai dit, Jacob, viens aussi. Je me suis mis devant la porte d'entrée avec lui. Je lui ai dit, ta maman m'a dit qu'il t'a demandé d'aller à l'assemblée avec lui. Tu as fait, non, je suis fatigué, je ne vais pas aller à l'assemblée. Alors j'ai dit, regarde-moi un peu. J'ai dit, mais tu me vois, non? Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à lui. Amen. Tu vois la maison dans laquelle tu te trouves ici, tu manges bien, tu dors bien. Si tout ça, je les ai, c'est grâce à lui. Amen. Je ne vis que pour lui et je ne dépends que de lui. Amen. Si je dois mourir aujourd'hui, je mourrai pour lui. Amen. Et si j'étais aujourd'hui toi, parce que ta maman m'avait dit qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant, Amen. Si j'étais aujourd'hui, c'est parce que nous avons prié. Amen. Et c'est Dieu ait pitié, nous a donné cet enfant que tu as. Donc, tout ce que moi je possède, y compris toi, ça vient de lui. Amen. Mais maintenant, si toi tu ne l'aimes pas, alors il y a un petit problème. Comme moi, ce que je vous dis est 100% vrai. Comme moi je l'aime, et que tu sens que tu ne l'aimes pas, dans ma maison ne peut pas habiter quelqu'un qui n'aime pas celui que j'aime. Amen. Tout ce que je suis, c'est lui. Alors, je suis devant la porte. Ta grand-mère habite là-bas plus bas, rue de l'étoile numéro 8. Moi, j'étais dans le 4. Et bien, j'ai dit, mais où la police est à côté ici. Tu vas prendre tes affaires. Parce que si tu veux habiter ici, tu es censé pouvoir aimer mon Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mon fils. Il dit, si tu veux habiter ici, tu dois être en bon terme avec mon Dieu. L'aimer aussi comme moi je l'aime et se sentir bien avec ce Dieu. Mais si tu ne l'aimes pas, que mon Dieu ne te dérange, la porte est ouverte, tu sors d'ici maintenant, tu vas à la police, tu dis, mon papa m'a mis à la porte et je suis sans abri.
ils vont trouver, écoutez frère, c'est pas la jeune que je dis, ils vont trouver un endroit où t'es placé toi parce que je t'ai mis à la porte. Si tu sens que la police n'est pas bien, ta grand-mère est en bas là-bas. Tu ouvres la porte, tu descends, tu dis, mais non, grand-maman, je vais habiter définitivement chez toi parce qu'avec papa, ça va pas, il veut plus de chez moi. Et je dis, chez lui à la maison. Alors je dis, maintenant, tu fais un choix. Alors, ou tu acceptes mon Dieu de vivre pour lui, comme moi je lui dis, ou tu refuses mon Dieu. Le choix est là, la porte est ici, fais ton choix. Il n'avait que 8 ans, je pense. Hein. Mais j'étais assez ferme. Et aussi ferme avec lui. Tu veux, tu restes, tu ne veux pas, tu t'en vas. Il n'y avait pas de sentiment. Dieu que je sers mes témoins. Ce n'était pas que j'allais pleurer mon fils en bas. Non, j'étais là ferme, je le regardais. Tu dis, je ne peux pas te forcer, mais c'est un choix que tu dois faire toi-même librement. Eh bien oui, mon fils a fait son choix. Il dit, je vais rester. J'ai dit, tu aimeras mon Dieu? Il dit, oui, je vais rester. Il est tourné, je dis, gloire à Dieu. Maintenant, les choses sont claires. Donc, il faut que la personne comprenne. Qu'on sache effectivement, c'est vrai, mon frère et ma soeur. Quand vous aimez tant votre Dieu, c'est tout. Parce que si nous réalisons ce que c'est Dieu a fait pour nous, mon frère et ma soeur, aucun être humain sur la terre, écoutez bien, ne peut le faire. Même si moi j'arrive à pouvoir vous aimer, c'est pas parce que je suis bon, mais c'est parce que lui, il est rempli en moi. Donc l'homme que je suis ne peut pas vous aimer, frère. L'homme que je suis est oui, c'est vrai. Mais puisque lui il est venu, alors l'homme peut vous aimer. Alors comment ne pas être reconnaissant à ces dieux et lui dire aussi combien vous l'aimez, parce que vous avez quand même la conscience et ayant apprécié qu'effectivement, Seigneur, même quand je me lève, je vais aller au travail. Ce travail que j'ai fait là, c'est quand même quelque part toi qui me l'as donné. La force que j'ai pour y travailler, pour un patron, je vais avec beaucoup de zèle. Et pour toi qui m'as donné la vie, qui prend soin de moi, je ne peux pas avoir des ailes pour toi. C'est pourquoi même quand j'avais les syllabus comme ça, je voudrais les syllabus effectivement, mais les jours où je devais être dans la maison de Dieu, terminé ou pas terminé, j'y étais. Amen. Alléluia. L'intelligence vient de toi. Amen. Je ne veux pas négliger d'étudier, mais quand c'est le temps de te prier, Seigneur, ton temps à toi, il faut que tu donnes. Amen. Mais je le faisais. Nous devons apprécier Dieu. Frère, on a donné aux gens la religion, effectivement. Et, bon, c'est vrai que vous m'entendez, vous dites, mais frère, en fait, ce que vous ne réalisez pas, c'est que ce n'est pas seulement à vous ici que Dieu parle. C'est l'auditoire qui écoute. Si vous entendez les témoignages qui viennent de l'extérieur, vous seriez étonné. Très, très étonné. Je suis resté au moment où j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne réalisais pas, effectivement, qu'il y avait autant de monde qui pouvait écouter ce que Dieu nous fait ici. Alors, quand vous entendez, papa, ça vous concerne parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui suit, auquel Dieu est en train de pouvoir parler. Amen. Donc, c'est quelque part pour nous, effectivement, de réaliser cette grâce, ce degré de grâce que Dieu nous a lui-même accordé pour que nous puissions avoir les yeux ouverts et réaliser l'importance de ces dieux, en fait. Et Dieu ne met pas redevable. Il fait que, Seigneur, je te prie, alors tu es obligé de pouvoir me faire ceci. Non. Je ne te prie pas pour que tu te sentes obligé de pouvoir me bénir. Mais sinon, mais dans ta parole, tu l'as dit. Amen. Que celui qui s'est confié à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu m'a dit comme ça pour que je comprenne que ce que je fais pour toi, il y a toujours un résultat quelque part. Il y a toujours une récompense. Il dit, celui qui s'est confié à l'Éternel dans toutes les circonstances, il ne sera jamais. Amen. Alors moi, je m'accroche à ça. J'ai besoin de toi. Et chaque fois que j'étais toujours invoqué, parce qu'il faut invoquer Dieu d'un cœur sincère. Amen. Quand tu as un cœur sincère et droit, Dieu te répondra. Amen. Et si vous me cherchiez et tout votre cœur, moi, je me laisserai trouver. Donc à ce moment-là, nous savons comment nous devons nous tenir, effectivement, lorsque nous nous approchons de lui et comment, effectivement, Dieu... Lévons-nous dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, nous allons lire l'Écriture.
Et puis nous prions, Ephésiens 4. Ephésiens, au chapitre 4. Oui. Non. Ah oui, c'est ça. On va lire à partir du verset 7. Je vais lire un peu beaucoup. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, merci Seigneur, selon la mesure du don de Christ. Amen. C'est pourquoi il est dit, il est, étant monté dans les hauteurs, il a amené, il a fait captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. Amen. Alors, qu'est-ce qui signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne soyons, afin que nous ne soyons plus ballottants, nos enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans la moyenne séduction, mais qu'en professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards pour celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire sur l'accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Amen. Je voudrais te dire encore merci, Père, que je demande pardon pour tout, Père. Que ton nom soit béni encore aujourd'hui. Pour ton amour et ta grâce, mon bien-aimé Père Saint, ta patience et vraiment tes compassions à notre endroit. Tu es vraiment notre Dieu. Seigneur, nous voulons vraiment t'aimer, vraiment d'un amour vrai, d'un amour profond, d'un amour sincère. Et quand nous venons dans ta maison à toi, c'est avec beaucoup d'élan de cœur, avec vraiment la joie de pouvoir être là parce que tu es là, être là parce que c'est aussi les lieux que tu as voulu que nous soyons, être là parce que c'est aussi l'endroit où tu as permis que nous puissions nous retrouver pour pouvoir avoir la communion avec toi, la communion aussi avec nos frères et sœurs, Père. Et aussi pour tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont aussi en connexion, Père Saint, nous prions pour eux, Père. Béni sois-tu encore, mon roi, que tu puisses nous aider encore dans ta parole à toi pour que nous puissions aussi recevoir le fils que le miette, mon bien-aimé Père. Oui, nous implorons ta grâce encore ce soir. Te remercions, c'est que vraiment tu prends soin de nous, mon Seigneur, dans tout le moindre détail, Père. Oh, pardonne-nous vraiment notre ingratitude, mon bien-aimé Père du Saint. Béni sois-tu encore aujourd'hui. Nous ainsi prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous voyez comment le Seigneur a mis, et c'est merveilleux cela, et tous les moyens nécessaires. Vraiment, quand Dieu dit quelque chose, c'est sûr et certain que la chose qu'il a dit doit vraiment arriver. Rien ne peut empêcher que la parole qui sort de la bouche du Seigneur ne puisse réellement atteindre réellement son objectif, parce qu'il nous montre aussi de quelle manière il a même mis effectivement aussi des choses en place pour nous rassurer de tout le cœur, vraiment que ce qu'il a déclaré va vraiment arriver en rapport avec son Église. D'abord, comme il a dit dans la Sainte Écriture, nous montrant d'abord que c'est vraiment déterminé, c'est vraiment fixé et réellement vrai que cela doit et devra s'accomplir certainement parce qu'il nous dit, comme nous l'avons lu dans le livre des Éphésiens, que, en fait, que nous comprenons quand même depuis les temps anciens, avant même que nous puissions être là, il avait déjà ordonné ces choses pour qu'elles soient ainsi. Qu'est-ce qu'il avait dit effectivement? Ce que dans le chapitre 1, nous l'avons lu avec vous, hein, nous l'avons lu autrefois, il dit. Verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et puis,
Nous regardons très bien au chapitre 5, il nous dit une chose, je pense, à partir du verset quelque chose comme cela. Mais, verset 22, mais femmes, soyez donc soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous avez remarqué? C'est que dans le chapitre 1, verset 4, il nous dit quelque chose de merveilleux. Il dit, mais, je le dis encore, hein, il dit, et en lui, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et maintenant, il nous montre effectivement de quelle manière il va réellement rendre effectivement ceux-là qu'il a eu à pouvoir prédestiner à être cela, comment il doit faire en sorte pour qu'ils soient saints et irrépréhensibles et sans tâche, effectivement. Il dit, mais effectivement, pour que nous puissions avoir l'assurance que nous qui sommes et qui avons réalisé que le Seigneur nous a réellement appelés vraiment à cette œuvre-là, que ce sûr et certain, peu importe ce qui peut arriver, nous y arriverons. Amen. Alors il nous dit ici, dans les Saintes Écritures, ici, comme nous l'avons lu effectivement, je crois, chapitre 5, il est bien, chapitre 5, il dit, verset 25, je l'avais dit encore, il dit, mais Marie donc, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc il nous montre effectivement que oui, lui, il a aimé cette Église, même avant même qu'elle puisse être manifestée, Dieu, il a aimé cette Église, il dit, et s'est livré lui-même pour elle. Donc, il s'est, vous avez remarqué que dans les Saintes Écritures, dans le livre de Jean, quand il a prié, vous vous souvenez, non? Il a dit une parole, je vais lire rapidement cela, puis nous revenons dans cela. Dans Jean, au chapitre 17, que Dieu te bénisse. Dans chapitre 17, il a dit une parole, hein, et je crois que nous l'avons lu avec vous, hein, ici. Est-ce que j'ai toujours dit cette prière-là? C'est la prière que Dieu te sauve. Elle dit ceci, au verset, je crois sur verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé, verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alors dans le chapitre 5, ici au verset 25, nous lisons, Éphésiens, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et c'est lui vrai. Lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Vous suivez? Afin de la sanctifier en la purifiant. Donc voyez-vous, là, il y a un travail que le Seigneur, lui, nous montre effectivement par la voie par laquelle il passe effectivement pour que l'Église soit sûre et certaine que Dieu va le faire et voici le moyen par lequel il va donc purifier, donc sanctifier pour que cette Église atteigne effectivement l'objectif d'être, oh, c'est vrai frère, irrépréhensible, sans tache, ni ride, donc irréprochable. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, une Église pure, et qu'on appelle effectivement une Église, qu'on appelle une épouse parole. Donc c'est exactement comme Dieu est saint, donc c'est, cette épouse est aussi sainte. Donc, irrépréhensible, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Donc, c'est-à-dire que purifier vraiment et sanctifier. Mais est-ce que c'est vraiment possible, cette chose? Une chose comme ça, ce ne sont pas vraiment des discours. Non, monsieur. Non, madame. Dieu montre, effectivement, à quel moyen, effectivement, que, et qui nous ramène à comprendre que c'est la vérité, que cette Église va réellement atteindre cela. C'est-à-dire que tous ceux qui font partie de cette Église et qui sont dedans, le travail se fera pour qu'ils soient réellement 100% comme cela. Il a dit lui-même, sanctifie-les par ta vérité. Amen. Il a prouvé effectivement le moi, ta parole est la vérité. Amen. Et le sang de Christ nous sanctifie et nous purifie de tout péché. Amen. Donc, il dit, mais très bien, il dit, mais afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle parole, effectivement. Parce que ma parole à moi ne peut pas vous sanctifier.
comprenez? Il a pourvu ses moyens, parce que regardez très bien, afin que vous puissiez voir la puissance et la force de Dieu. Nous étions tous, sans exception, dans les dogmes. Parce que quand l'Église catholique a pris effectivement le devant, il a tout mis sans dessus et sans de ça, il n'y avait plus de vérité. On racontait n'importe quoi, on faisait avaler de gens n'importe quoi, et tout le monde a cru à cela. Même quand les autres, c'était comme ça, des mélanges, effectivement. Mais Dieu a fait une chose telle que toi et moi, étant dans toutes ces choses que nous croyons être vraies, qui est une puissance, qui vient, qui te fasse sortir de là, et que tu réalises, mais c'est vrai, Seigneur, ça, j'ai été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, j'ai cru en cela, n'est-ce pas? Mais quand la parole est venue que le baptême, le vrai, est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, il y avait une force dans la parole. Amen. Qui a fait que je sorte de là, je puisse croire maintenant en ce baptême, malgré que tu étais baptisé. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses croire, alors que c'est là aussi, que c'est quand même dans la Bible aussi, et croire qu'il était là-bas pour croire ceci. C'est la puissance que Dieu exerce effectivement au travers. Mon frère, ma soeur, les miracles ne peuvent pas te sauver. Amen. Non, monsieur. Non. On peut même prier pour toi. La guérison, tu l'auras. Mais la guérison ne t'apporte pas le salut. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Il y a une chose qui peut t'apporter le salut. Amen. Et qui t'apporte le salut, c'est la parole de Dieu. Amen. Et pourquoi vous entendez les saintes écritures, les écritures qui disent, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et puis il dit, le Seigneur, après avoir motivé, il dit, je crois que c'est dans Marc chapitre 16, hein, regardez, oui, que Dieu te bénisse. Regardez bien, dans Marc, il dit une chose comme ça, hein, il est merveilleux aussi, Marc chapitre 16, il dit, mais, regardez bien, verset 20, il dit, Marc 16, 20, il dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il confirmait la parole. Amen. Par le miracle qu'il accompagnait. Donc, la chose qui était importante, c'était donc la parole. Amen. Parce que la vie ne vient pas par le miracle. Non, la vie vient par la parole. Amen. Tant que vous avez dit effectivement que en la purifiant, en la sanctifiant vraiment par en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Est-ce que le Seigneur avait dit, mais je vous purifierai de toutes vos souillures. Je répandrai sur vous une eau pure. Donc il fallait que cette eau soit pure, en fait. Donc il fallait que Dieu démontre effectivement que peu importe ce que. L'ennemi a eu à pouvoir faire sortir comme grande montagne de tromperie. Grande montagne de ruse, effectivement. Avec tous les systèmes, effectivement, dans lesquels les hommes vont, effectivement, parce que l'homme y est resté pendant des siècles, il est rentré dans ces systèmes. Il dit, mais peu importe cela, mais la puissance réside dans la parole. Et ce que j'ai dit, effectivement, parce qu'il a dit, il dit, mais la parole qui sort de ma bouche, elle ne peut pas rentrer à moi sans avoir accompli. Donc, la puissance est dans la parole. Amen. C'est dans elle, effectivement. Et puis, c'est comme je dis, les miracles ne peuvent pas te sauver, mon frère. Tu peux en avoir, mais prendre au corps au miracle. La preuve est celle-ci. Les enfants d'Israël, dont tu n'as pas vu les miracles. Pendant 40 ans, ils ont même vu la main qui tombait. Ils ont même vu le rocher qui les suivait. Ils ont mis la main où c'est séparé, effectivement. Mais ils sont tous morts, séparés de Dieu. Vraiment. Pas sauvés du tout, mon frère. Mais Josué et Caleb, dans cette nation, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous êtes entrés, vous avez vu ça. Dit, mais Dieu, il a dit cela que nous sommes. Et que c'est lui qui l'aurait fait. Si Dieu nous l'a dit, alors nous sommes plus que capables. Amen. Parce que la parole de Dieu l'a dit. Amen. Et c'est ça que l'apôtre Paul répète. Il me dit, mais je veux vous rappeler, frère, que nos pères ont été sous la nuée. C'est pas vrai. Ils ont bu à ces rochers qui les suivaient. Ils ont mangé les pains des cieux.
Qu'est-il arrivé? Ils sont tous morts. Dans le désert. Donc, par la parole de Dieu. Alors, regardez bien, il dit effectivement, il dit, en la purifiant, et en la lavant, l'eau de la parole, en fait, de se présenter à lui-même. Église glorieuse. Alors que les hommes, quand ils le regardent, effectivement, disent, mais, oh, c'est pas possible, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on entend, avec tous ces poteaux et oui, c'est des ordres ici, mon frère et ma soeur. Vous savez, si vous vous souvenez très bien que dans les Saintes Écritures, dans Genèse au chapitre 1, comme la Bible le fait savoir, que il y avait les ténèbres couvertes sur la terre, il y avait vraiment du désordre. N'est-ce pas vrai? L'Esprit de Dieu était là, c'est mauvais. Les désordres étaient toujours là, on regardait effectivement, on disait rien. Mais c'est quand Dieu a parlé. Amen. Que Dieu te bénisse, ma bien aimée soeur. Quand Dieu, aussi longtemps que Dieu n'avait rien dit, était au bruit, était là, on ne faisait rien. Parce qu'on ne voyait pas tellement très bien. Mais quand Dieu s'est ému qu'il a dit que la lumière soit, rien ne pouvait retenir mon frère. Amen. Et a lui dit que la lumière fut. Alors on a vu la différence. Amen. Et ça, c'est tellement si important pour nous que nous comprenions ces choses, mon frère, ma soeur. C'est que Dieu, la Bible le fait savoir qu'il fait toutes choses par sa parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne devenez pas comme habitués à la parole. Non, c'est important que nous comprenions que du début jusqu'à la fin, la parole de Dieu sera toujours importante. Amen. Elle doit être saisie tous les jours, Amen. Comprise tous les jours, Amen. Et son importance pour nous grandissant tous les jours. Amen. Et là, que Seigneur, si ta parole n'était pas là, Amen. Plus la confusion encore aujourd'hui augmente, frère. Si la parole n'est pas là, où irions-nous? Comment pourrons-nous avancer? Donc nous avons besoin. Oui, on parle de beaucoup de nous. Nous avons fait des choses. C'est vrai qu'à gauche, à droite, on entend beaucoup de bruit. Mais ce que nous avons besoin, c'est le salut du monde. Amen. Les miracles ne vont pas me sauver. Ce qui va me sauver, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que quand Siméon est arrivé, qu'est-ce qu'il nous a dit dans la prière? Il dit, mais Seigneur, mes yeux ont vu tes miracles? Non. Alléluia. Mes yeux ont vu ton salut. Amen. Salut, je les tiens ici dans mes mains. Donc le salut est une personne. Amen. Jésus-Christ est notre salut. Amen. Jésus-Christ est la parole de Dieu Amen. Qui est manifestée. Amen. Oui, pour que nous puissions réaliser cela. Donc il dit effectivement que en la sanctifiant, en la purifiant par la parole, nous montrant effectivement de quelle manière il va arriver à atteindre effectivement. Oui frère, on peut voir tout ce qu'on veut voir sur la terre effectivement avec tous les désordres qu'on peut voir effectivement et entendre même dans les églises qui effectivement avoir reçu effectivement le message. Ah, si vous connaissez cela effectivement, tout cela effectivement doit se passer. Il faut que cela puisse. Bien sûr. Et cela aussi pour que Dieu Tout-Puissant démontre en fait son autorité. Oui. Afin qu'il puisse réellement démontrer qu'il est Dieu. C'est pour ça même il a dit dans les Saintes Écritures, parce qu'il avait la puissance de pouvoir le faire. On dit, mais quand on pouvait parler de mais moi, c'est moi ici qui ai suscité Pharaon pour manifester ma gloire, afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Je voulais démontrer que dans les cieux et sur la terre, je suis le Yahvé. Amen. Pharaon était un grand roi avec tous les esclaves, effectivement, avec ses dieux, et toute la terre tremblait devant Pharaon parce qu'il était tout puissant. C'est vrai, non? Et quand je suis arrivé, je lui ai envoyé simplement un seul homme. Et cet homme, j'ai fait de lui Dieu devant Pharaon et avec son serviteur, le prophète Aaron. J'ai dit, j'ai pris un homme. Et mis là. Toi, tu es Pharaon qu'on craint dans le monde, effectivement, avec une grande armée et tu as des esclaves qui sont à toi. Et je t'ai dit, ces esclaves sont miens.
Et j'étais envoyé un homme avec un bâton. Juste un bâton. Tu l'as regardé, tu as dit, mais enfin, mais... il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a? Il dit, qu'est-ce que j'ai? Il dit, moi j'ai l'armée, j'ai même les magiciens, j'ai tout ça, mais ça, tout ça autour de moi. Qu'est-ce que toi tu as? Il dit, ce que moi j'ai. Ce que moi j'ai. Il dit, mais moi j'ai la parole du Dieu très haut. Amen. Et je viens à toi au nom de l'Éternel. Amen. Le Dieu d'Abraham, oh que Dieu soit béni. Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Je te dis, il dit, laisse aller mon peuple. Je te regarde, il dit, tu me donnes des ordres, toi, que je puisse laisser aller mon peuple. Mais sais-tu pas que j'ai le pouvoir t'enfermer en prison? Il pouvait. Pharaon pouvait. Bien sûr, frère, réfléchissez. Mais c'est Veillard qui vient là donner son bâton, qui dit, bon, Pharaon, maintenant, je t'ordonne de laisser partir le peuple de Dieu. Un roi comme Pharaon, mais on tombe sur toi, on te lit, effectivement, et avec des chaînes en prison, on peut même couper la tête. Mais Moïse n'a pas eu peur. Pharaon ne pouvait même pas mettre sa main sous Moïse. Oui, frère, aussi longtemps que Dieu n'a pas fini avec toi. Sois en paix, frère. Tu passeras les chemins, tu rentreras, tu sortiras, tu reviendras. Parce que Dieu est avec toi. C'est pour ça. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Amen. Ce que les hommes peuvent dire de vous. Vous savez, comme l'Écriture le dit toujours, il dit, mais c'est lui qui est en vous. Amen. Il est vraiment... Parce que souvent, quand nous lisons la parole de Dieu, ça devient comme une formule. C'est ça la tristesse, frère. Quand vous commencez à voir, vous habituer, c'est un danger. Amen. Mais il faut être conscient que Dieu me parle, moi, il dit, mais c'est vrai, c'est lui qui est en moi. Il est plus grand que dans ce monde. Amen. Donc aussi longtemps qu'il est avec moi, rien ne pourra me nuire. Amen. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Et Moïse le savait. Moïse le savait, parce que Dieu lui a dit, fais ceci, fais cela, il est parti. Il a décidé, il dit, mais j'envoie même ton frère Pharaon, il sera prophète, il sera Dieu devant Pharaon, ainsi de suite. Et puis quand tu arriveras, voilà ce que tu feras. C'est pourquoi vous avez remarqué que quand Moïse a jeté son bâton, le bâton était jeté pour faire pour que sur la terre, le bâton était jeté, oui, voilà, c'est là, oui. Et s'il est transformé en serpent, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Jannès et Jambres, qui étaient aussi des magiciens de Pharaon, ont jeté aussi le bâton. Moïse était un homme comme vous et moi. J'avais déjà entendu comme on avait dit, oh Seigneur, mais tu connais quand même Pharaon, et puis moi, je ne suis pas capable. Il connaissait la puissance de Pharaon. C'était pas que, oh, j'ai vu les trucs. Non, 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 il savait. Je vais vous montrer quelque chose pour comprendre. Voyez-vous quand Saül était rejeté de Dieu? Il s'est accroché toujours au trône. Hein? Ah oui, jusqu'à sa mort, vous le savez, non? Il était rejeté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Il dit, mais pourquoi tu plais? Parce que Samuel aimait Saül. Pourquoi tu pleures toujours sous cet homme-là? J'ai déjà rejeté. Bon, lève-toi maintenant, je t'envoie dans la maison d'Israël, fils de Jessé. Là, il y a un homme que moi, je me suis choisi. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur, quand il va entendre, je vais vous lire ça, vous allez être étonné comment Dieu a dit. Dans 1 Samuel chapitre 7. Dieu est extraordinaire, là. Dans, frère, ne fermez jamais que dans une bouteille. Amen. Oui, que Dieu soit béni. Regardez bien, 1 Samuel. C'est pourquoi nous devons simplement nous soumettre à lui. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. Vous y êtes? L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis donc ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Écoute maintenant. Samuel dit, comment irai-je? Quand Saül entendra, il apprendra, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va me tuer. C'était un prophète de Dieu, hein, qui avait ainsi par l'Éternel. Vous savez cela, non? Amen. Ah oui, il dit, mais hey, Seigneur, tu m'envoies là-bas. Et Saül, tu sais comment il s'accroche au pouvoir, prêt à pouvoir tuer tout le monde. Alors que tu l'as rejeté. Maintenant,
Quand il va entendre, il sait que c'est de fuir lui quand je la tiens en main. Et que je vais parler. Puisque c'est que si il est devenu roi, c'est moi qui l'ai roi. Et qu'il entende que je pars avec la feuille d'huile là-bas, mon Dieu, mais il va d'abord me couper la tête. Écoutez bien, il dit, mais il va me tuer, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Vous avez entendu? Amen. Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour vendre un roi. Non. Je viens pour offrir un sacrifice à qui? Et pour t'être envoyé pourquoi? C'est écrit quand même, c'est clair, non? Donc il dit, Seigneur, si il me voit avec la fiole d'huile pour aller oindre là-bas, il va me tuer. Dieu a regardé son homme. Frère, n'enfermez jamais Dieu, frère. Amen. Dieu que nous servons, il est tellement grand. Amen. Vous savez, comme je me dis autrefois, effectivement, mais il pourrait dire aussi à Joseph, dire, mais écoute, Joseph, lève-toi, ta femme va accoucher. Amène-la, effectivement, aussi à Bethléem. Il ne faut pas accoucher effectivement ici. Il n'a rien dit, hein. Seulement, il a fait faire un édit par là. Amen. Mais pour l'autre face, qu'est-ce qu'il lance, je vais dire, mais prends l'enfant, fouille en Égypte, effectivement. C'était écrit aussi. Amen. Vous vous souvenez? Amen. Donc, c'est important de connaître que Dieu, c'est Dieu et Dieu, en fait. Amen. Je ne veux pas éduquer Dieu, je veux qu'il fasse comme ça. Non, Seigneur, de la manière dont tu veux me montrer, comme tu veux, effectivement. Frère, mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Mettez-vous à la place d'enfant d'Israël. Qui avait entendu de la bouche de Moïse qu'il faut circoncire l'homme. Et Dieu a dit, mais un homme incirconcis ne peut même pas entrer dans le choix de Dieu. Non, il a exclu le peuple. Et puis, ces jours-là, Paul prêche l'évangile, effectivement. Et vous entendez dire, non, mais on ne peut plus circoncire l'homme comme ça. Il dit, mais monsieur, il y a un problème. Est-ce que vous suivez? Amen. Il y a un problème. Il dit, mais non, le pharisien qui avait cru, Seigneur, c'était pas problème. Il dit, non, il faut circoncire. Il dit, mais non. Mais non, monsieur. Il dit, non, il faut circoncire pour couper parce que Moïse l'a dit. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, ils pouvaient dire, mais c'est ce qu'on pensait quand même que c'est Jésus était contre Moïse. Ses disciples, maintenant, ils refusent même qu'on fasse, même le livre que Moïse a dit couper, circoncire. Ils vont se dire non. Pourquoi? Parce que la parole appartient à Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire ici, frères et sœurs, je répétais, dans le cas de mariage et divorce, il n'y a pas une formule comme ça, paf, on applique. Non, frère. Dans chaque cas, Dieu est le seul à traiter le cas. Amen. Et pour ça, nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. Amen. Pour pouvoir nous conduire autrement. Frère, nous venons des dogmatiques, des légalistes. Il n'y a rien qui passe. Amen. Ah oui, certainement. Mais c'est concis, c'était quand même Dieu qui l'avait dit. Amen. Si nous n'avons pas compris, mais nous prenons pied. Tous les aliments interdits dans les Saintes Écritures. Et tu manges ça, tu es exclu. Tu touches ça, tu es impur. Il voit un arbre qui descend. Amen. J'ai dit, mais Dieu, quand il prend un homme, c'est terrible, c'est extraordinaire. Amen. Quand la nappe est descendue, il n'a pas dit, mais lève-toi, tu es moi. Puis il n'a pas dit, arrière de moi, Satan. Non! Faut pas des ailes fabriquées. Oh non, frère. Humilions-nous simplement et voyons ce que Dieu fait. Amen. Il y a des gens qui veulent être plus saints que saints lui-même. Amen. Non! Soyons saints comme lui nous sanctifie. Amen. On n'a pas fabriqué notre sainteté, frère. Oh, je vais faire pour que Dieu voit. Non, laisse Dieu faire ce qu'il veut voir en toi. Non, là, c'est, si on arrive, frère, les pharisiens voulaient tant, il faut couper. Il dit non, monsieur. Il dit non, nous avons toujours coupé. Il dit non, coupé, non, c'est terminé, coupé. C'était pas là, c'est maintenant le cœur. Il sait qu'au jour que la main n'a pas fait. Pour admettre cela, il fallait être changé par Dieu. C'est pourquoi n'enfermez jamais Dieu selon votre façon. Parce que moi, je ne peux pas instruire Dieu. Frère, vous mettez-vous à la place de Pierre qui voit ça, qui lui dit, mais Seigneur, il dit, mais tu me manges. Mais tu m'avais interdit ça. Depuis des générations. Mais maintenant, je te dis, moi, tu es mort. Amen. Hier, c'était impur. Mais maintenant, je le déclare pur. Amen. Ça change tout. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Nous lui devons vraiment du respect. C'est pour ça, quand tu vas dire, moi je connais. Non, nous ne connaissons rien. Amen. Moi j'apprends tous les jours avec lui, frère. Amen. Oui, frère.
Si on est bien statique, c'est comme les outres qui sont sèches, effectivement. Quand on met du vin, ça va exploser. Amen. Vraiment, amen. Il faut que ça bouge, tu vois, c'est un contendre comme ça, ça rentre effectivement, et puis quand la révélation vient, boum, 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 ça se développe avec, ça bouge à gauche, ça bouge à Seigneur. Oui, et puis, gloire à Dieu. C'est amen. Comme cela un fils de Dieu. Amen. S'attend à ce que tu... Alors là, lui dit, mais élève-toi, dit, mais je viens pour quoi? Pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et pourtant, c'était pour aller au Rouen. C'est vrai. Donc, nous devons connaître le Seigneur, notre Dieu, et surtout, lui ouvrir notre cœur et savoir que ce que Dieu déclare, et d'une manière ou d'une autre, rien ne peut faire en sorte que ça ne puisse arriver, parce que quand il a déclaré, il a aussi donné le moyen pour que la chose puisse arriver à terme. Pourquoi nous l'avons entendu dans le Saint-Écriture dire? Bien, c'est-à-dire l'avant par l'eau, la parole, et puis on a une houppure. Je reprendrai sur vous, Ézéchiel 36. Amen. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous purifierai de tous vos lieux, et je reprendrai sur vous une houppure, n'est-ce pas? Amen. Vous connaissez cela, non? Amen. Je retirerai de votre cœur le cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair, n'est-ce pas? Et là, il parle effectivement de cette houppure, en fait. Et c'est cette parole de Dieu, parce qu'il est pas clairement, si c'est cette parole de Dieu, effectivement, qui doit être vraiment une parole pure, parce que quand elle est pure, elle contient tout ce qui est nécessaire. Même, regardez-moi ici, s'il vous plaît, par ici. Vous savez quand même que l'eau que vous buvez, vous savez, c'est bizarre quand même que j'ai entendu, on disait, je vais vous laisser partir chez vous à la maison. J'ai entendu, on disait, et en fait, dans l'eau, il y a la vie. Vous n'avez jamais regardé la source. Vous voyez comment elle descend? Boum, boum, elle est dans la source, effectivement. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui pousse la source à pouvoir aller, mais dans des étances d'amenant. Il n'y a rien qui bouge. Là, vous allez trouver des têtards, tout ça. Mais là, même quand il gèle, effectivement, la source, ça ne gèle pas, la puissance. Mais qu'est-ce qui fait que ça puisse sortir? C'est la vie. Amen. Ça pousse, effectivement. Alors, l'eau, elle contient les nutriments nécessaires pour le corps de l'homme. Quand l'eau est pure, il purifie toutes les choses, effectivement, dans votre corps. Effectivement. Donc, il apporte, effectivement, ce qui est nécessaire pour que le corps, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on élimine, non, sinon. Mais quand cette eau est souillée, nous prenons l'exemple naturel quand même, hein? Quand vous buvez une eau souillée, est-ce qu'il va vous apporter quelque chose de bien dans le corps? Non, c'est des maladies, c'est des microbes, effectivement, même quand vous allez vous laver dans de l'eau souillée, vous savez, non? Et vous avez des bactéries qui s'accrochent à vous, effectivement, et puis bon, ben, finalement, ça vous apporte beaucoup de maladies que vous savez. Oui, posez la question au médecin, vous voulez dire. Donc quand l'eau, on le voit bien, purifiée, vous savez que dans la plupart du temps, les eaux que nous buvons, même celles qui viennent de nos robinets, il y a beaucoup de maladies ici que nous avons à cause de notre alimentation. Et bien sûr, nous mangeons très mal. Nous buvons très mal, après qu'il est en fil vite. Prenez un exemple. Pourquoi vous buvez du Fanta, du Coca, du sucré, tout ça? Pourquoi vous le buvez? Vous n'avez pas besoin de ça. Les Coca que vous aimez, c'est pourquoi? Parce que c'est du sucre. Vous ne buvez que du sucre. Votre corps n'a pas besoin d'autant de sucre que vous l'ingurgitez. En fait, et ça magasine en vous, ça commence à devenir du gras, et puis évidemment, plus de sucre monte, c'est les taux de... Et puis vous devez de grosses viandes avec vous. Vous avez fais-moi papa, un peu saignant avec un tout petit peu de sang. Ça fait tendre dans la bouche. Mais c'est normal, tu abats tous les microbes qui étaient en fait dans la bête. C'est pas pour rien que tu as dit, il ne faut pas manger du sang. Ce que la Bible nous interdit, c'est vraiment vrai. Quand je vais te dire, docteur, je vois que j'ai des problèmes là, monsieur, mais vous avez beaucoup de microbes, ça veut dire.
Vous avez consommé beaucoup de saignants. Bien sûr. La graisse animale, vous saviez cela? Dans la Bible, vous ne devez pas la consommer. C'était offrir à Dieu. Pourquoi cela? Parce que ça vous apporte le cholestérol. Je ne vais pas dire beaucoup de graisse. Je ne suis pas médecin. Mais simplement pour vous dire que c'est ce que nous consommons. Regardez, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé l'homme, il a tiré l'homme, il a poussé la terre, n'est-ce pas? Non, nous sommes confiés vêtements de la nature. Donc, l'homme est censé pouvoir manger ce qu'il y a dans la nature. Mais maintenant, qu'est-ce que vous et moi, nous mangeons? Le progrès. Boîte de sardines, boîte de conserves, boîte de ceci, boîte de cela. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? On a mis les E411, E521, et ceci, c'est la conservatrice. Nous, dans la nature, on n'avait pas besoin de conservateurs. Mais quand vous faites ça, effectivement, les conservateurs que vous mangez, ça va où? Et si? C'est des produits chimiques, effectivement. Mais là, à l'intérieur, maintenant, on a des rendez-vous avec des gastrologues tout le temps. Ça fait boulou. Le médecin ne comprend rien. J'ai bois un peu, j'ai des douleurs ici. À l'époque, on n'avait pas ça, dans les temps. Douleur là, douleur ici, il faut qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est normal. On mange trop mal, on mange ce qui ne sont pas bonnes. Ils avaient fait. Le progrès nous apporte bien la joie. Oh, on fait, c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on revient? Vous avez parlé de ça maintenant. La bio, il faut qu'on vienne bio. Ils ont compris. Que ce que Dieu a fait est toujours bon. Vous transformez, on veut. Mais c'est, ça va vous détruire. Vous n'allez pas vous encombrer, effectivement, des Coca-Cola. C'est même avec quoi on a fabriqué, d'où vient Coca-Cola? Oh, le monsieur, ils vont attendre là, ils vont dire, mais ce monsieur est allé détruire notre publicité. Moi, je m'en. D'après ce que j'ai compris, j'ai entendu. Un glou métal rouillé. Vous prenez ça, vous trempez, parce qu'on m'a dit, vous trempez ça dans le Coca-Cola, vous mettez ça pendant des jours et des jours. Après ça, vous trouvez la rouille partie, le métal bien nettoyé. Parce que quoi? Le Coca attaque la rouille. La rouille, c'est l'oxydation de le fer à l'eau. Vous connaissez cela, non? Bon, alors, si le Coca peut attaquer cette rouille-là, le métal, nettoyé comme ça, quand sera-t-il de mon estomac? Quand on fait la publicité, vous vivez la joie, glou, glou, glou. Vous vivez la mort, c'est pas la joie. Oh, happy, c'est pas moi. Vous connaissez, non? Habillez-vous aussi, habillez. Mais non, c'est la mort qu'on t'introduit en toi. Et tu prends l'argent pour acheter la mort. Faut pas faire. Ah, mais bon, okay, mais écoutez, vous pouvez voir comme vous. Mais je ne fais pas. J'ai pas de la parole de Dieu. En fait, c'est beau. Simplement, mon père. Faut pas m'en vouloir, hein, faut pas m'en vouloir. J'ai pas dit de ne pas acheter des coca chez moi. Chez moi, on parle à manger, c'est la fin. Je vais pas dire pas acheter, acheter. Et vivre comme il faut. Mais enfin, ben, vous comprenez que. Bon, moi, dans mon bureau, vous ne verrez pas les verres. Enfin, bon, que Dieu vous bénisse. Nous, nous avons besoin de Dieu, frère. Pour nous instruire dans les choses que nous pouvons voir que c'est nécessaire. Parce que. L'homme a besoin du naturel. Parce que ce qui est naturel, qui est naturel dans la nature, effectivement, et contient des nutriments nécessaires pour le corps de l'homme. Des fruits naturels pas transformés, les légumes naturels, les bovins qui sont naturels, effectivement, qui broutent l'herbe naturellement, pas que vous prenez. Il faut être quand même un animal ne va pas faire ça, faire enfin bon. Tu prends simplement, tu prends un animal, tu le broies, tu donnes encore un animal de manger. Il y a des croix que les vaches deviennent folles. Mais il ne faut pas chercher loin. C'est normal. La vache mange de l'herbe. Tu donnes maintenant la viande pour manger. Mais il va devenir folle. C'est vrai quand même. Et ça nous passe comme ça. Et si la viande, si la vache devient folle, et moi je vais acheter la viande folle, ça va devenir quoi? Mais c'est pourquoi on a le problème de vache. C'est vrai, frères et sœurs. On a des problèmes de santé à cause de ça. Les poulets, on le nourrit effectivement. Et puis nous, on mange les poulets, on a des problèmes de santé. C'est la même chose avec la parole. C'est sûr et certain. Que Dieu nous accorde la grâce. Lève-nous, nous allons prier. Notre Père Céleste, c'est notre Dieu. Nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde, c'est vrai. Nous te remercions vraiment de ce que toi tu nous éclaires. C'est vrai que le temps que nous avons sur la terre est tellement si loin. Combien
Nous avons vraiment ce besoin, ce désir profond de pouvoir apprendre encore davantage de toi, de pouvoir réellement être à tes pieds. C'est vraiment notre désir, Père. Ce peuple t'appartient, nous t'appartenons, Seigneur. Ton désir le plus profond, c'est qu'il réalise effectivement ce que tu as vraiment placé devant ce peuple par le monde qu'on est adressant. Oh Dieu, combien tu aimes encore aujourd'hui, combien tu fais encore des merveilles encore avec le adressant. Et tout cela pour que ce peuple soit assuré, Seigneur, que ce que toi tu as dit, c'est vraiment la chose vraie. Mais ce que l'homme apporte pour moi, ce que l'homme est en train de prendre de détruire et non aussi bénévole personne. Ce qui vient de toi, mon bénévole puissant, Seigneur Jésus, va certainement atteindre effectivement l'objectif, mon bénévole personne. C'est pourquoi je te remercie encore ce soir. Je te rends la grâce, mon maître bénévole saint, de voir encore, de tenir encore ton peuple, mon bénévole, de le fortifier, de le soutenir, de lui accorder encore la grâce et l'aide encore nécessaire, Père. Nous sommes un peuple qui t'appartient, mon roi, et nous sommes réellement dans la joie d'être à toi. Nous disons encore davantage pour toi, Père. Éclaire-nous, nous serons éclairés, mon bénévole Père puissant. Soutiens-nous, Père, et nous serons soutenus, mon roi. Oh, nous prions à toi encore aujourd'hui, Père. Cette année, nous te voulons davantage avec nos frères. Souviens-toi des enfants qui sont aux études, mon bénévole Père Saint. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Vois combien l'ennemi s'adresse au Dieu pour réellement les affaiblir, mon bénévole Père puissant. Et nous avons réellement ta parole et ta puissance, mon bénévole Père puissant. Enfin qu'ils soient repoussés au loin, mon bénévole Seigneur. Et dans ta main, on voit ici, mon bénévole Père puissant. Viens-nous encore maintenant, encore aujourd'hui, au notre Dieu. Nous invoquons ton nom, nous implorons ta grâce pour moi. Et ton peuple soit toujours victorieux, mon bien-aimé Seigneur. Nous te supplions, mon bien-aimé Père Saint. Lève-toi, mon bien-aimé Seigneur. Et agis encore pour nous, notre bouclier, bien-aimé. Nous avons confiance en toi, Père. Soutiens chacun de nous encore aujourd'hui. Oh, que ton nom soit béni, mon Père. Que ton nom soit exalté encore aujourd'hui, mon roi. Nous voulons être déterminés à avoir la foi, à partir de son plaisir, mon Père, mon roi. Et qu'il est mort que nous réussissons à nous poser nos mêmes paroles. Avec foi et confiance, mon bénévole Père Dieu, nous avançons avec autorité, mon bénévole Père. Loué sois-tu là encore aujourd'hui, mon souverain. Nous sommes heureux d'être à toi, mon bénévole Père, qui sont toi dit. Viens le pouvoir vous dire, oh notre Dieu, c'est ta parole à toi. Pour nous aussi, bénévole Père Saint, de me voir, nous prions pour que ce que nous mangeons soit sanctifié, ce que nous vivons soit sanctifié, mon roi. Afin que ce qui est mauvais soit au pied, bénévole Père, qui sont. Merci encore, mon bénévole, tu connaissais ces temps. Aussi, bénévole Père, pour le même titre, tu es transformé, mon bénévole Père, oh Dieu. Merci pour la prière, merci pour la parole, bénévole Père, qui sont. Nous voulons prier pour chacun de nos moments. Nous rangeons le matin, mon bénévole Père Divisant. Que ton nom soit béni encore ce soir, oh Dieu, bénévole Père. Lève-toi, mon Père, béni la foi. À cause de ton salut, nous rangeons le matin. Toi, quand tu changes, je crois. Toi qui domines sur tout ce qui se toi qui nous tiens par ta main, conduis-nous encore dans notre vie, soutiens-nous, Père Dieu, et fortifie-nous, mon Père, je t'aime, mon roi, je te remercie de ce que, Seigneur, tu nous éclaires, mon roi, tu nous épargnes beaucoup de choses et nous protéger en gloire. Nous comptons vraiment sur ta grâce, nous comptons vraiment sur ta bonté, nous comptons vraiment sur ton secours, Seigneur, si toi tu n'étais pas là, nous ne devrais personne, si ta parole n'était pas là pour être tenue personne. Quel serait nous encore aujourd'hui, mon roi? Oh, merci vraiment pour la Bible, Père. Merci vraiment pour les écritures, mon bénévole Père Saint. Je t'en suis reconnaissant, Père. Oh, Dieu, pendant des siècles et des années, les hommes ont caché cela, nous avons vu le Père, nous avons vu ton peuple à toi. Mais tu as posé ta puissance, mon bénévole Père. Louange à toi pour le ministère de cet homme, mon bénévole Dieu. On n'est pas militaire, mon bénévole Père Saint. Que tu as reçu des bénévole Dieu qui a pu imprimer la Bible, Père. Je te loue, je te rends gloire, mon bénévole Père. Merci pour cette main puissante, mon bénévole Dieu, que tu as dit. Béni soit ton Seigneur, mon roi. À toi la gloire, à toi l'honneur, mon bénévole Père Saint. Et de nous encore un soir, à rester attaché à toi, et de bien, Père, oh, tiens-moi dans votre main. Nous sommes heureux, nous te remercions, Père, d'avoir ramené les saintes écritures, Père, d'avoir ramené ta parole à toi, mon bénévole Père Saint. Aujourd'hui, il a sous les chandeliers, mon bénévole Père. Louange à toi pour la restauration, Père. Nous te remercions. Oh, nous te louons, Père. Et nous rendons gloire à toi. Pour ton amour et ta bonté. Merci, Sauveur. Merci pour ton amour. Merci pour tes grandes compassions. Et accorde-nous encore ta grâce.
plaisir soit ton Seigneur. Oh, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui nous aime. Ce Dieu qui conduit encore nos pas dans ces pas pour que nous sommes. Souviens-toi de ce peuple, souviens-toi. Oh, Dieu, voulons prendre toutes choses avec action de grâce, mon Seigneur. Voulons prier, puisse en fait que tout ce que nous voulons prendre, manger, boire, soit sanctifié, mon roi. Oh, merci, vraiment, Père, et de te révéler à nous, bénévole Seigneur. Merci encore pour ta prière, merci encore pour ta parole. Sois approche de ton Seigneur, garde nos enfants, tant pis, parce qu'on Père, en lui, dans le lieu de parce qu'on est venu de faire ça. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié pour ce soir. Nous réjouissons de ta grande bonté. Nous réjouissons de ta grande miséricorde, de ta grande compassion. Oh, je te suis reconnaissant pour tout. Que je rencontre à ton nom, Père. Bénis ton peuple, Père. Souviens-toi de ceux qui sont chers pour que tu te puissant. Bénis nos enfants de ce soir. Protège les personnes. Oh, Dieu, ce n'est pas facile, Père. Ces enfants d'être là aussi tous les jours, le soir, le mardi, le jeudi, le dimanche, Père. Seigneur, que tu le bénisses richement, Père. Et tous ceux qui l'ont présidé aussi, les personnes qui sont si accrochées à toi. Je te remercie de ce que tu as fait, que tu feras encore, Père. Agis à cause de ton nom. Nous rendons gloire à ton nom encore ce soir. Béni soit ton Seigneur. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit que. Manger tout ce qui se vend sur le marché, mais il faut simplement prier. Amen. Vous pouvez boire, mais prier pour que Dieu sanctifie ce qu'il y a à boire, ce qu'il y a aussi à manger. Amen. Soyez donc en paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dès que l'ange t'aime, je suis à